aller à la bibliothèque en urbain. Oui, mais d'abord les mains. Vous voulez qu'on fasse un point avant d'y aller? Oui, voilà, très bien. Alors, voilà, j'enlève pour vous parler. Voilà. Mais vous avancez pas trop. C'est une tradition, puis c'est un moment très, très joyeux. On démarre cette année par le 19e arrondissement avec le maire du 19e, avec toute mon équipe autour de moi. Et c'est un été particulier, c'est comme ça qu'on a voulu l'appeler aussi, parce que beaucoup de Parisiens ne partiront pas en vacances. On aura beaucoup moins de touristes aussi cette année. Et donc, notre souhait était vraiment de permettre à ceux qui sont là, ceux qui viendront visiter, parce qu'il y aura quand même, je l'espère, quelques visiteurs, de pouvoir profiter vraiment de la ville, de ses extérieurs. Quoi de mieux que de profiter du bassin de la Villette avec des animations pour tous les âges, bien sûr en ayant adapté le protocole sanitaire à la situation de l'épidémie, parce qu'il faut rester extrêmement prudent. J'ai enlevé mon masque pour vous parler, mais je vais le remettre immédiatement derrière. Et évidemment, faire aussi un accueil de toutes celles et ceux, jeunes, moins jeunes, qui auront envie de respirer au bord de l'eau. Et puis il y aura aussi, bien sûr, les quais de Seine, donc dans le cœur de Paris, là aussi, qui seront ouverts, enfin qui sont ouverts évidemment, et qui vont être aussi aménagés en Paris-Plage, et pour le bonheur des grands et des petits. Madame, vous n'avez pas peur, vous avez hésité de maintenir l'activité dans les contextes? Non, jamais, je n'ai pas du tout hésité. C'est une décision que j'ai prise d'ailleurs pendant le confinement, en disant. Il faut se projeter dans l'idée qu'un jour on va évidemment ressortir. On ne sait pas avec quel risque sanitaire et avec quelle préconisation, mais j'ai toujours voulu me projeter dans l'idée qu'il puisse y avoir une baignade, un pari de plage. Évidemment, que, y compris pendant le confinement, j'imaginais que beaucoup de Parisiens ne partiraient pas en vacances et qu'il faudrait, comme toujours, que Paris montre sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à surmonter toutes les crises. Et Paris-Plage fait partie de cette capacité-là. C'est un endroit où on se croise, on se voit, on prend plaisir à être là, on peut danser, on peut voilà, être dans...
en amitié avec, avec ses voisins et c'est ce que nous voulions faire aussi pour permettre aux Parisiens de se retrouver et puis de retrouver aussi des visiteurs parce que j'espère que sur un tourisme plus national ou européen, j'espère que beaucoup viendront voir les beautés de notre ville et comment on y vit. Comment, vous n'avez pas peur ? Avec la crise épidémique, Paris est une ville touristique. Est-ce que vous avez, comment vous voyez la suite des choses ? Vous n'avez pas peur qu'il y ait un manque à gagner, qu'il soit compliqué à vivre ? D'abord, on va affronter maintenant aussi une crise économique terrible. Hein. Je le vois, je suis de près la situation, notamment dans le secteur de... du tourisme, mais aussi du commerce. Nous avons mis en place un premier plan de 200 millions d'euros que nous avons voté pendant le confinement, avant même notre réélection, pour accompagner les restaurateurs, pour accompagner tout ce secteur-là. On va continuer, évidemment, on travaille beaucoup avec la Chambre de commerce, Chambre des métiers, avec tous les opérateurs de tourisme. Mais bien sûr, je pense que la rentrée sera une rentrée très difficile sur le terrain de l'emploi. On a déjà une augmentation très importante du chômage. On va mettre en place aussi beaucoup de mesures pour l'emploi des jeunes, parce qu'ils vont être les premières victimes, hein, et notamment, je pense, à tous ces jeunes qui arriveraient normalement sur le marché du travail à la rentrée, donc à la fois des stages, des services civiques, des contrats d'apprentissage. La ville elle-même va prendre sa part pour pouvoir accueillir des jeunes. Donc ça va être un moment très très difficile. Et comme toujours, dans des moments difficiles, il faut se serrer les coudes, il faut être là, il faut aussi goûter des moments de bonheur et de plaisir, non pas dans l'insouciance, parce qu'on sait que demain va être très dur, mais je pense que ça nous rendra tous plus forts de pouvoir quand même profiter des beautés de notre ville et la ville, notre communauté humaine. Nous avons décidé de faire en sorte que les activités soient gratuites, que les familles puissent s'y retrouver. C'est aussi une façon de venir les aider dans un pouvoir d'achat qui va être aussi entamé pour beaucoup d'entre eux. Madame la maire, vous avez peur qu'on revoie ces images de la fête de la musique avec beaucoup trop de monde au même endroit, sans respect des gestes barrières lors de ces moments festifs de Paris Plage ? D'abord, il faut vraiment, et j'espère que le port du masque sera rendu obligatoire dans les lieux clos. Vous savez que moi j'étais favorable aussi à ce qu'il y ait une obligation du port du masque sur l'espace public. Ça n'a pas été retenu, je le regrette. Je pense qu'avec les masques, avec les gels hydroalcooliques, les gestes barrières, mais aussi avec les tests qu'il faut renforcer, j'entends, je lis qu'il y a encore beaucoup trop de difficultés à Paris pour accéder aux tests, notamment aux tests PCR, ce qui n'est pas normal. S'il y a 700 000 tests par semaine qui peuvent être faits en France, je souhaite qu'à Paris, on puisse en faire beaucoup plus. On a fait des opérations avec l'ARS, avec les hôpitaux de Paris, la ville, les écoles, avec des tests massifs sur la voie publique. Et on a eu plus de 1000 personnes à chaque fois qui sont venues se faire tester. Il va falloir continuer. Et d'ailleurs, sur Paris Plage, il y aura aussi des possibilités de se faire tester. Hein. On a prévu de mettre en place ces possibilités-là, parce que je pense qu'il faut qu'on ait conscience que l'épidémie est toujours là. On a réussi grâce au confinement et au sérieux, notamment des Parisiens, de nos concitoyens, on a réussi finalement non pas à bloquer, mais en tous les cas à limiter la progression de cette épidémie. Maintenant, on sait qu'une deuxième vague est possible et on voit des foyers un peu partout en France se développer, donc il faut que chacun revienne à ce geste. Donc je vais le reprendre puisque je ne réponds plus aux questions. nous dire un mot du protocole sanitaire. Un mot sur la un mot juste. Il y a Pierre qui va dire un mot après. Allez. D'accord. Oui, c'est moi. On pourrait faire un petit truc avec le protocole sanitaire, on passe le barrage. Ok. On va en faire l'avancement. Ok. Bon, oui, même maintenant.
c'est quand même que vous allez vous retrouver dans l'eau. Oui, ça va être compliqué, effectivement. Ouais. On va juste là. Voilà, si on peut se donner un peu de chance. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, nous avons dit avec ça. Pardon. Ouais, bon, j'en sais pas, gentiment. Par contre, les mètres, ça marche, personne devant. Et si on peut avoir juste une seule photo de chômage pour les grands distances. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. On a mis 30 mètres. Merci. On retourne, les amis. Allez, merci. Merci, madame. C'est un grand plaisir de nous, pour nous de jouer pour vous et pour nos amis ici présents. Maintenant, nous enchaînons avec un... Allez, on va faire un petit quiz. C'est un cabaret. Cabaret parisien, il y en a quelques-uns. Et celui-là est vraiment un lieu historique et incontournable.
Thank you.